Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Last Day on Earth. Content de vous retrouver les amis, au coin du feu, parce que l'air de rien, j'ai les coucougnettes à l'air, et du coup il fait un peu froid. Et nous voilà ici avec un bol de riz récupéré, donc ça pour l'instant je vais l'enlever, et puis ça aussi, parce qu'il n'y a pas de raison hein, qu'on fasse du zèle. On a tous les items pour notre petite dame, enfin pour notre dame Mulan, et comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai promis la dernière fois, le but était de voir ensemble quelles récompenses on allait pouvoir récupérer. Donc c'est parti. Votre récompense vous attend dans le coffre. Merci pour votre aide. Vous trouverez là, dans le coffre près de votre maison. Près de votre maison? Non, c'est chez toi le coffre. Il est pas chez moi quand même, rassure-moi. Fermé à clé. Ah putain, elle me fait retourner chez moi en fait. Ah non, c'est ça. D'accord. Alors, c'est des cash boobs ça ou c'est quoi ça? Que la vapeur est remplie de farce. D'accord, c'est de la bouffe. Alors, un flingue, c'est nice. Une paire de boots, mais c'est pas les meilleurs. De l'aluminium, du heal, de la bouffe, transistor, le plastique. Pouf, pouf, pouf. Oh, en même temps, on a juste récupéré des graines. C'était pas compliqué, ouais, non, c'était pas compliqué. Donc c'est legit comme récompense. Forcément, c'est un peu frustrant parce que, je sais pas, je m'attendais peut-être à un poil plus grand. Mais ouais, non, ça va, c'est legit. This is legit, les amis. Hop, voilà, on va faire ça. Par contre, j'ai pas bouffé là. Hein. Ah putain, si j'ai pas de truc de libre ici, il me fait chier. Ah non, c'est parce qu'il a envie de faire pipi. D'accord, pardon. Excusez-moi, petite pause pipi, les amis. Hein, je profite, hein, je fais comme chez moi pour. Ah, et je pue. Il semblerait que je pue. Voilà. Il semblerait que je pue un peu du cul. Je sais pas si Mulan va me refiler une autre quête ou si elle va m'envoyer chier. Vous voulez encore du travail? Revenez demain. Non, je le veux tout de suite maintenant, moi, du travail. Fuck that shit. Ah, bah, il va falloir que j'attende encore. Il va falloir que j'attende encore. Bah, je sais pas si je vais... Ouais, il y a beaucoup de décalage à chaque fois. Bon, en tout cas, voilà, chose promis, chose due, ça y est, c'est fait. On a pu voir ensemble la récompense. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il me faut. Ah voilà, c'est ça le fameux truc que je voulais me faire. Le fourneau raffiné. Ouais non, 20 méga planches. Je pense pas que je vais l'avoir. On va aller regarder vite fait si j'ai le matos. Sinon, il va falloir que je farmouille, je pense, un tout petit peu. J'aimerais bien me faire le fourneau cet épisode-là. Après, c'est pas garanti. Sinon, bah écoutez, hein, je vais essayer de voir pour avancer encore un petit peu pour avoir un petit peu plus de choses dans cette paix quand même, parce que là, la récupération de la récompense, certes, c'était fort sympathique, mais ça fait un petit peu léger. Parce qu'au final, je pensais qu'éventuellement, elle allait enchaîner avec une autre quête, quoi, tu vois, genre, allez, tac, merci, t'es un beau gosse, c'est super. Je peux pas utiliser ça? Ah bah non, je peux pas utiliser parce que y a rien dessus en fait, voilà, ouais, ça c'est un peu chiant. Hein. Donc ouais, je pensais qu'elle allait me balancer, t'es un beau gosse, c'est super, c'est génial, merci, au revoir, tac, vas-y, je te redonne une autre quête, t'es un ouf. Sauf qu'en fait, que dalle. Le riz, on va le garder en soi, parce qu'on sait jamais. Allez, petite douche en votre compagnie. Hop. Et puis, oui, c'est ça que je voulais voir, est-ce que au niveau du bois, on était bon? Si on est bon, c'est qu'on peut crafter tout de suite le gros méga four. On pourrait crafter le méga four ensemble, ce qui peut être cool. Mais, ah ouais, non, attends, j'en ai 4 ici. Oh là 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 là, je crois qu'il m'en manque quand même pas mal, hein, parce qu'il m'en faut 20 et je dois en avoir 10 en stock, ça fait 14. Il me manque 6, les amis, si je dis pas de bêtises. C'est ça, j'en ai bien que 14. Bon, ok. Je suis pas forcément sûr qu'on va voir ça aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, moi je vous prépare... Je vous prépare du coup la suite de l'épisode, donc on va faire une petite ellipse rapide, et on se retrouve juste après. Allez, retour de l'homme tout nu, ça y est, donc on est le lendemain, donc logiquement, voilà, on peut avancer notre jolie petite quête. Donc j'ai des tâches pour vous, je vous donnerai quelque chose en retour. Donc, des graines, du riz, du thé, j'ai pas le matos sur moi parce que bien évidemment j'ai tout déposé chez moi. Par contre l'avantage c'est qu'ici on voit les quantités, pouvez-vous m'aider à nourrir la carpe? Donc 10 graines au niveau de la mangeoire à poisson. Avez-vous déjà utilisé de bouillir du riz? Donc préparer 10 tiges de riz au feu et mettre 3 tasses de thé sur la table. Alors le thé normalement je l'ai, les graines j'ai pas,
Et les tiges, les tiges j'ai, sauf qu'il faut que je les mette là-dessus. Ok, très bien. Donc on devrait pouvoir avancer là-dessus, hein. On devrait pouvoir avancer. Il faut juste que je vérifie le charbon. Je l'avais laissé ici ou pas? Ah putain, je l'avais enlevé le charbon. Allez, forcément, forcément, forcément. Alors, tac. 6 graines, on va les récupérer parce que j'avais laissé un petit peu de rab. Par contre, ouais, c'est bien ça. Il m'en faut 10, donc ça sert à rien de mettre ça. Allez, hop. Allons-y, donc on ressort. Donc l'avantage c'est que je sais pas combien d'étapes il y a. C'est bizarre parce que en tête, j'ai l'impression. Je sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'il faut en gros. Qu'il y a en gros 3 étapes. Ce qui me déstabilise un petit peu, je trouve ça plutôt bizarre qu'il y ait ce genre d'étape. Je sais pas pourquoi j'ai le chiffre 3 en tête, c'est pas grave. Allez, continuons. Alors bien évidemment, le thé, je l'avais déposé. Alors j'ai bien fait de pas l'utiliser, hein, cependant, parce que normalement ça me permet de récupérer de la bouffe, mais j'ai laissé ça au chaud à la casa. Alors, normalement, dis-moi qu'on est bon. Il n'y a pas de thé ici. Voilà, ici j'ai du thé. Eh mais le bol de riz, je l'ai déjà. Allez hop, donc le bol de riz, on est bon. C'est pareil. Le thé, on est bon. Donc il me faut, si je dis pas de bêtises, 3 thé et un. Et merde, j'ai utilisé un thé. Fuck that shit, man. Eh, c'est pas grave. Donc il me faut 3 tasses de thé, ça c'est bon. 10 tiges de riz au feu, donc il me faut le riz, c'est bon. Et 10 graines dans la mangeoire à poisson. Le problème c'est que les graines, je n'en ai plus du tout. Donc on va rapidement récupérer tout ça, histoire de valider cette étape. Et le problème c'est que logiquement, si je dis pas de bêtises, de toute façon, hop, il devrait m'envoyer chier en me disant repasse demain s'il y a une autre étape. Et le problème c'est que là, oui, il reste 15 heures, donc je pense pas que je pourrais aller jusqu'à la dernière étape. Sauf que bah forcément, là on est typiquement dans un event où il faut pouvoir, on va dire, farmer. Et le problème c'est que moi je peux pas jouer tout comme ça tous les jours, enfin en tout cas durant la journée parce que bah je taffe, hein, forcément. Mais là pour pouvoir le réussir, il faut quand même vraiment tryhard. Donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Écoutez. Si déjà je valide au moins la deuxième étape, vu qu'on a eu quand même quelques items assez intéressants. Bim! Vu qu'on a eu des items assez intéressants lors de la première étape, si on arrive à minima à valider la deuxième, je pense que on est bon. Et puis en même temps, ici, on devrait pouvoir récupérer quelques items. Donc on va s'occuper de ça. Pour l'instant, tout ce qui est bois et autres trucs, on va pas. Hop là, on va pas s'encombrer avec ça. Mais ça devrait le faire. 10 graines. Par contre, j'espère juste que je vais réussir à avoir les 10 graines ici. Généralement, quand on clean une zone, en moyenne, on peut les avoir, hein, les 10 graines. Hein. On devrait pouvoir les avoir. Hop. Et puis, dès que j'ai les 10 graines, je pense qu'on va se barrer. Alors, je regarderai quand même les chests, hein, par principe. Parce que bon, s'il y a une pièce de peu importe de chopper ou de je sais pas trop quoi, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Hop. Alors je pense pas. Ah bah tiens. Ah bah non. J'allais dire j'avais 10 graines. Non j'en ai 4. Je pense pas avoir une chance de ouf et d'avoir comment dirais-je une pièce pour le chopper ici hein, sur une zone aussi. Et merde. Il m'a spoté direct. Je pense pas avoir de la chance de trouver direct une pièce. Mais on sait jamais. Hop. Allez. Voilà encore une graine. Par contre les graines il faut que tu t'énerves un petit peu mon coco parce que là j'ai l'impression que t'en as pas beaucoup, je dois être à la moitié. Allez, allez, graines. Non, pas de graines. Fuck that shit. Allez, hop. Voilà, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On va les avoir, les 10. Je suis confiant, je suis confiant. Bim! Et ouais, mon gars, coup de panneau interdit dans tes chicots, hein. C'est comme ça que ça se passe à la maison. Donc ici, on va récupérer ça. Putain, il a réussi à me focus. Bon, j'y vais à la bourrin en même temps. J'y vais à la bourrin, là, ce qui m'intéresse. J'en ai 7, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Je sais pas ce que j'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai pas vu, je suis allé trop vite, c'est pas grave. J'espère que j'ai utilisé des graines, que j'ai pas cramé autre chose, hein, mais bon. Allez. Hop, récupère tout. Et les petits coffres, pour l'instant j'en ai pas. Merde, il m'a vu. Les coffres, je sais pas où ils sont pour l'instant. Hop. Bam! Voilà, à la bourrin, mais c'est ça qu'on aime. Hein, du moment que ça passe, c'est l'essentiel. Alors,
Là, ici, je devrais pouvoir me le faire. Et l'autre, il va me sauter dessus direct. Voilà, c'est pas grave. Bim! Voilà, un chest. Ça, c'est cool. Merde, non, pas tout de suite. Il y a lui. J'aurais peut-être dû me guérir avant. Bon, c'est pas folichon tout ça. C'est pas folichon. Récupère un petit peu de life. Et voilà. On est full. Nickel. Donc, ici. Il me faut encore 3 graines. J'ai peur de pas les avoir. J'ai peur que ça soit juste. En termes de timing. Hop. Allez hop, allez hop, allez hop. Juste une fibre, mais arrêtez de faire vos radasses les mecs là. J'ai besoin de quelques graines. Ah c'est cool, l'autre chest est ici. Récupère, une fibre, une graine, super. Donc là il doit m'en rester deux à vue de nez. Ah ça devrait passer hein. Ça devrait passer, il y a intérêt à tout prendre. Alors il me reste ça et ça. Qu'est-ce que je peux virer? Bon ça j'en ai qu'un seul, j'ai pas envie de me faire chier. On va récupérer le cadenas, j'ai pas encore exactement à quoi ça sert sur certains items comme cela. Tout ce que je sais, quoique celui-ci je pourrais le virer. Hein. Utiliser, voilà, comme ça au moins. Je sais pas si je prends le cordage ou ces trucs-là. Ça me permet de faire de la guérison, donc je vais plutôt prendre ça. Hop, tout ce que je sais, c'est que ça peut être utile, ces genres d'items, quand de temps en temps il y a le marchand dans les parages qui peut demander ce genre de choses. Il y a une fois, il m'avait demandé une montre en or pour avoir une arme. Allez, 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 viens là, Billy. Voilà, c'est ça qu'on aime. Alors, un téléphone qui sonne. Hop, on coupe. Cordage, je peux pas le prendre. Voilà. Ok, une graine, combien? Il en manque une. Allez. Allez, 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 allez. Il manque une graine, mec. Il manque une graine. Tiens, auto, comme ça il va les trouver. Voilà, sauf que le problème c'est que j'attire tous les zombards. Allez, c'est pas grave. Bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Hein? J'ai confiance. La graine, on va l'avoir ici. Je le sens. Je le sens, je le sens. On est bon. Bim! Il y a intérêt parce que. Ah non, il y en a encore deux de dispo. Salut glou glou. Une fibre, une graine. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Bon, écoutez. Ouais, 10 graines. On se casse, on se casse, on se casse. Salut le loup. Écoute, hein, je vais te laisser. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Voilà, tu me prends 4 PV. C'est pas grave. On a tous nos items. On va pouvoir normalement. Ah, le marchand. Effectivement, c'est très intéressant. Il est juste à côté en plus, l'enfoiré. Bon, ça à la limite, j'irai voir après, hein. Tac, et on va en profiter pour manger un bout. Par contre, j'avoue que là, au niveau du stuff, là, je suis littéralement à poil. Là, on est vraiment dedans, là. C'est l'homme tout nu. C'est moi. L'homme tout nu. Ok, alors, si je vais voir la petite dame. Vas-y, Mulan. Alors, les graines, tu m'as dit que c'était pour les poissons. Donc, allons voir les poissons. Ils étaient juste ici. Hop. D'accord, placé. Donc là-dessus, normalement, c'est quoi? C'est instant validé? Yes, instant validé. Maintenant, il y a le riz et le thé. Comment ça se passe? Mais non! Ah, et merde. Alors le thé, en gros... pardon, pas le thé, le riz, je l'avais déjà. Et en gros, là, d'après ce que je comprends, il est en train de me dire... Ce gros enfoiré, là. Elle est où, la table? La table pour papa. C'est pas ici. Là, pour le riz, il est en train de me dire qu'il faut que j'en refasse, en fait, quoi. Ah, ça fait chier, parce que moi, je l'ai déjà, le riz, il est prêt, mec. Le riz est prêt. Il est prêt, le riz. Chouaouaouaou. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Mais non! Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon? Mais c'est toi qui... Non, 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 non. Laissez-moi. Arrêtez de vous battre. Allez, vas-y. Elle fait 300 de dégâts, Mulan, elle rigole pas. À quoi ça sert de faire ça? Parce que... Ah merde! Wotan 0, Mulan 10. Ah, mais je dois les buter à sa place. Mais attends, mais j'ai juste zéro chance, quoi. Surtout qu'il la focus elle, donc... non, mais c'est mort, j'ai aucune chance, en fait. Obtenez une meilleure arme si vous voulez me battre. Ouais, bah ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris. J'ai bien compris que tu m'as mis la dose, quoi. Vous pourriez nous en apporter un peu et le poser sur la table. Papa sera aux anges. Elle est où ta table?
Donc là, ce sont des petites chaises. Voilà. Ici, il faut que je remette des graines et pour refaire... Ah, et en plus, j'ai laissé ça chez moi. Putain, mais j'ai du riz déjà. Pourquoi tu le prends pas, quoi? Fermé à clé. Ici, je peux pas rentrer. Oh là là. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que le riz, je l'avais. Hein? Je suis prêt. J'ai tout ce qu'il me faut, là. Ah, elle est là, la table. Placée. Voilà. Sauf que là, on est bien d'accord que je l'ai dans le cul. Voilà, le riz ne compte pas. Avez-vous déjà essayé de bouillir le riz? Essayez et vous obtiendrez un plat très nutritif. Il y a un feu près du parterre. Alors, vas-y. Le parterre. Si j'essaye de tricher. Genre, si je fais ça. Ah merde, il veut pas, ce con. Ok. Alors, oh, il y a du riz, il est prêt. Je le récupère. Eh, regarde, regarde, j'ai fait cuire du riz. J'ai fait cuire du riz, il est prêt. Ça marche pas. Oh, ça marche pas. Ah, tapez le gong si vous voulez essayer. Non, laisse tomber, j'ai bien compris que... Franchement, elle a un débit de ouf. Et vu les dégâts qu'elle fait, no chance, quoi. Zéro chance. Allez, allons rapidement chez le marchand. Et de toute manière, il faut que j'aille récupérer... Les graines de riz, j'en ai à la maison, je sais pas si j'en ai assez. Mais de toute façon, ce que je vous propose de faire, hein, c'est que je vais aller récupérer les graines de riz très rapidement. Et puis dans ce cas-là, on se retrouvera vite fait pour une dernière séquence en fin de paix pour valider cette deuxième étape et voir un peu ce qu'on peut avoir comme récompense. Bière j'ai et beans j'ai aussi. 10 beans et une bière. Alors attends, dans ce cas-là, ce que je propose, c'est qu'on va découvrir ensemble la petite récompense qu'on peut avoir avec le marchand. Parce qu'on sait jamais, ça peut être cool. Hein, ça peut être méga cool. Courir. Et le charbon. Je sais pas ce que j'ai foutu du charbon. J'ai l'impression que tout le charbon que j'ai mis dedans, il a été consommé, ce con. C'est bizarre parce que normalement, s'il n'y a pas d'item à cuire, il bouffe pas tout le... Bah, il bouffe pas tout, en fait. Hein. Allez. Allez, allez. Je le sens bien. Je sens l'arme, là. Je sens l'arme de ouf. Je dis ça, mais en vrai, voilà, quoi. Mais non, je la sens bien. Alors on va vite ranger ça, histoire de pas être encombré avec tout ce merdier. La bière, elle est ici, voilà, j'ai de la binouze mon gars. On est bien. Alors ici j'ai 16, et il m'en faut 10. Et sachant que j'en ai laissé là-bas en fait. Hein. Ouais, écoute, on va prendre pile ce qu'il me faut. Hein. Voilà, ça on va se laisser en rab. Donc les 10, je les ai. Ça, on peut le ranger. C'est un peu le dawa dans mon inventaire hein, quand même. Hein. C'est toujours un peu le même débat, tu me diras. Non, laisse ça. Voilà, ici, je peux ranger ça. J'ai plus de place. Ok, bah forcément, je les avais upgradés ces conneries-là. Sauf que là, il faut que je retourne à l'étape de base. Je voudrais juste faire un petit peu de place rapidement avant de me rebarrer en fait. Tac. Et tac, voilà. Donc, il me faut ça plus ça pour le marchand. Ça, c'est durable. Ça, je peux le ranger. Ça aussi. Ça et ça pour la quête. Ok, on est bon. Sachant que bah, le riz, en fin de compte, je vais pouvoir le ranger, quoi. Pff. Shit. Tiens, vas-y, hop. On va mettre de la viande à sécher. Dis-moi qu'il y a du charbon. J'ai 10 de charcoal. Allez, hop, on va tout prendre. Histoire d'être tranquille. On va retourner voir le marchand très rapidement. Hop. Histoire de voir ce qu'il nous prépare. Et puis du coup, bah après, écoutez, hein, la cuisson, ça dure combien de temps? Je sais plus, une vingtaine de minutes. Bon, de toute façon, je vous montrerai ça, hein, mais c'est-à-dire que du coup, en gros, ouais, d'ici une vingtaine de minutes, faut que j'y retourne, en fait, quoi. La caisse... Ah là là, elle est vraiment à côté, la caisse. Écoutez, on va déjà aller là. Après, ça peut valoir le coup d'aller faire la caisse, au passage. Hein. Mais je pense que, de toute façon... la caisse, à la limite, je pourrais la faire... Pendant que le riz sera en train de cuire, c'est une bonne possibilité. On peut la jouer comme ça. Et ensuite, je pourrais relancer le record tranquillement avec vous. Pour qu'on puisse découvrir ensemble ce qui nous attend. Alors tiens, beans et binous. Hop, vu que t'avais la dalle et soif, t'as quoi toi? Oh, fusil à pompe. Ok, man. Ok, donc là j'ai bien fait parce que franchement c'est pas très cher. Les beans on en a 3 par jour. La bière on peut en trouver régulièrement. Donc c'est quand même pas mal. Ici il me faut 15. Ah j'ai pas l'énergie. Bon c'est pas grave, écoutez. Ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper rapidement de ce qui me manque. Je vais mettre le riz à cuire et puis comme ça on découvre ensemble. Hop, marché. J'allais faire la caisse. On va découvrir ensemble du coup la récompense qui nous attend. Allez, à tout de suite.
Here we go! Retour de l'homme tout nu. C'est parti. Donc logiquement, hop, voilà mon bol de riz. Il est prêt, on est bien, on est content. Donc normalement, bim! Terminé. Merci pour votre aide. Vous trouverez votre récompense dans le coffre près de votre maison. Allons-y. Alors, il y a le charbon que j'aimerais prendre aussi. Donc là, on va stacker ça. Et donc, c'était le but, c'était l'objectif. Quelle est notre récompense? Tadam! Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Racine de lotus. Augmente l'expérience gagnée pendant 20 minutes. Oh, pas mal. Ah, ça c'est cool aussi. Alors bien évidemment, je prends tout, hein, là-dessus, je vais pas m'embêter. Ça c'est quoi? Armure 4, c'est pas ouf. Équipé, vu que je suis à poil, un flingue encore. Donc la dernière fois, on avait des flingues déjà. Et après, voilà. Le reste, on va tout prendre. Donc encore une fois, quelques récompenses assez sympathiques. Ici, c'est toujours fermé. Il y a l'air d'avoir un PNJ là-dedans. Et à mon avis, elle va me dire de repasser demain. Voilà. Vous voulez encore du travail? Revenez demain. Donc ça fait chier en fait, hein. ça fait chier, mais bah, j'ai pas trop le choix. Vous l'avez compris, il a l'air d'avoir un cycle. Le problème, c'est que je vais regarder combien de temps il me reste, mais je pense pas que je vais pouvoir revenir ici en fait. Ouais, il reste 11 heures. Ça va être très très chaud à mon avis. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao!